Mori. Je veux te parler. Nyalia, Freke, je suis là à l'année. Aké à l'année, je suis là à l'année. Mrafunya, je t'ai très bien dit. Hier, il n'y a pas ce que j'ai pas fait. Aujourd'hui, je suis fatigué, je ne peux rien faire pour ça. Eh. Moi, je me crucifie là. Moi, je ne t'ai pas réveillé pour ça. Moi, je veux te parler. Lève-toi, je vais m'asseoir. Comment tu dis? Non, lève-toi. Sois. Non, à quel moment tu veux le dire? Eh, alors, lève-toi. Il faut pas qu'on réveille les enfants. Anya Fodjura, comment est-ce? Sonal l'incanté. Mori. Ouais. J'ai une seule question à te poser. Quelle question? Qu'est-ce qui te pousse d'épouser une autre femme? Voilà. Une femme qui est amoureuse, il a loin d'être. Là, c'est la vérité. Et puis, tu es devenu comme ça, folle. Comment ça? Ce qui me pousse d'épouser une autre femme. Oui. Toi, tu ne connais pas ça? Moi, je ne connais pas. Parce que tout ce que tu as besoin, moi, je te le fais. Regarde les enfants. Ok, bon, maintenant, attendez. Ce qui m'a poussé de t'épouser, toi, hein, c'est ce qui me pousse aussi d'épouser une autre femme. Eh? Ah oui, c'est ça. C'est ça. Ah, il n'y a qu'à dire. Où tu trouves tes mots, où tu ramasses l'argent là pour épouser une autre femme. Regarde, même les piles de notre radio là, tu n'as pas pu l'acheter. Est-ce que tu peux épouser une autre femme? Tu peux le supporter? Et de cette là, mienne là. Hein? Tu peux me laisser? Morité, mais attendez, moi j'ai sommeil comme ça, je vais me coucher. À qui a-t-il un habit de cousson? Hein? C'est. Et d'abord, il est fan. Il faut plus maintenant me demander pour le problème là. Le jour que je t'ai parlé, le problème de la fille là, qu'est-ce que tu m'as dit? Il m'a reconnu à tout le mur là. Hein? Tu m'as pas dit ça? Si, je t'ai dit. Voilà. Bon, maintenant, jusqu'à présent, toi, tu n'as pas fini d'abord de te penser. D'abord. Yeah. Ah ouais, comme il y a un peu de mur là, c'est le même cause qui m'a poussé d'aller faire sortir la cola derrière la fille là. Tu peux supporter la fille? Je peux la supporter. Imagine de supporter là. Même le manger, on le gagne ici difficilement. Et après, il y a des gens. Elle s'est Afin de marier là, allez me la dire, il embrasse que bon ainsi ma robe, il est soigné ni mousse plat. Comment tu vas voir ça. Alors bête, après na kunu kentre qui barre à court et aujourd'hui, oh, qui a besoin de toi aujourd'hui? Je sais que je suis fatigué. D'accord, c'est que c'est en train de faire. Moi, je sais où. Et si je te touche, tu qu'est-ce que tu vas faire? Bah, il a bien. Laisse-moi. Regarde les enfants là. Canabim Bognal ou c'est bête, y'a tout là. Si c'est pour manger maintenant, ils connaissent ça. Mais je ne dis rien. Pas salou. Ni malo, t'es faux malo. Regarde, yalo. Bimbra n'a qu'à vous s'en bête, n'y a-t-il. La couronne, si c'est pour manger, et ils connaissent ça. Mais je ne dis rien. Je vais le trouver là-bas. Regarde, bim, non, où c'est-il à la yam, quand tu es? Ça, mais malo. Bah, ça, en canant son bédon, où c'est qu'on y couni, barakouma. Le riz seulement, vous croyez que c'est le riz seulement qui est nourriture
dans notre pays ici. Pas à l'eau. Alkana, je ne dis rien. Kasia! Kasia, hey! Eh! T'es impressionné, tu vois, Tommy? Eh, je partais chez toi comme ça. Dis-là, je suis là. Dis-là, ça va? Eh, eh, bonnet. Qu'est-ce qu'il y a pas mis sur ma dame, Nelly? Dis-là, viens ici d'abord. On va se voir. Pas ça, Lou. Acte son abîme, voilà, où c'est nous, qui ça, les enfants? Les enfants! Ah, ok, quand la dernière fois, on va y aller. Ça va? Ça va un peu. Ça va bien? Ah! Je suis venu sérieusement te voir comme ça. Il y a un grand problème à la maison. Problème? Non, viens, on va se voir. Viens là. Ah, Antoine Luma. Allez, Agnès, il y a le micro. C'est qui est, je vais t'expliquer. Dis à tout le monde. Tu sais? Tiens. Siri est devenu Kalabanti. Kalabanti a tenu Kalabanti. Elle est devenue Kalabaka. C'est fini. C'est fini pour Siri. Kassiri Kalabanti. La fille Mbalu. Hein? Mbalu. Le problème de ma deuxième femme là. Uh-huh. Mbalu. Mm. Dis donc, hier nuit, quand je t'ai couché, et puis nous voilà qui barouille à Damina. Siri m'a tapé, elle m'a réveillé à 3h du matin. 3h du matin. Donc, toi aussi, ce que tu fais, c'est pas bon. Ah, comment? Comment ça? Donc, et qui coordonne là? Ah là, on dirait que tu étais dans mon ventre quoi. Il t'a tiré la crucifix, il t'a tiré la crucifix. Ah là, même la dame se flanant encore, on a qu'un d'avanni, à tout. N'avanni. Que, quand il m'a réveillé, moi je pensais qu'elle m'a réveillé pour le problème là. Ça. Voilà. Bon, mais c'était pas ça. C'était pas le problème là. C'était quoi? Voilà. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Non. Elle m'a posé une seule question. Soit disant, Mbori, ça fait où? Pourquoi? Toi, tu veux tu veux prendre une autre femme encore? Pourquoi cette question? Non, attendez seulement, je veux te demander. Pourquoi tu veux te marier encore? Moi aussi, je l'ai posé la même question. J'ai dit pourquoi je t'ai marié. Oh les femmes, elle n'a pas pu parler. Je l'ai dit directement, j'ai dit bon, la cause qui m'a poussé de te marier, c'est le seul problème qui m'a poussé, qui m'a poussé encore de me remarier à une autre femme. Kasia, les femmes d'aujourd'hui ne veulent pas leur coépouse à la maison. Kasia, elles ne veulent pas. Écoutez-moi. Tu as fini? J'ai fini. Écoute-moi maintenant. On va chercher la femme là, prou. Écoute la femme. Elle veut. Elle n'a qu'à accepter. Voilà. Si elle veut pas, elle n'a qu'à accepter. C'est ça. On va le chercher, prou. Fais où? Voilà. Elle va parce rentrer. Normalement, un musulman doit chercher 4 femmes. Oh, Mbari. Nous avons. Moi, j'ai réservé 2. Moi, mon père avait 6. 6 femmes. 6. Mon père avait 6 femmes. Donc moi, je ne vais pas me marier à 6 femmes, mais je vais me marier au moins, même si c'est 5. Non. Je vais chercher. Même si nous courons qu'on en sait 4. Mais pas 6. Et pas d'avoir 6. Hey, où tu donnes la mesure là? C'est mon père qui était imam. À très donner la mesure là. Allez, traite-moi la salle là. Oh, la salle imam là. Attends, venez. Ah. Tu sais ce que tu viens de dire là, vraiment, ça m'a un peu touché. Oh, non, c'est vrai. Il n'a pas le fond de cadeau fourre. Hein? Ce que tu viens de dire, c'est que mon père est caf. Hein? Ton père, il a fait prier les gens dans combien d'années ici? Il est à Kalama. Mon père, François, allez, Santan, c'est un gâteau. Son humour, c'est comment Kassali? Santan, c'est. Ah, dis donc, comment sourd pour Kassa? Mais il va y avoir moi la salle de Santan, c'est. Il a 6 femmes. Ce qui veut dire, dis-là, tout le monde, ça va t'y faire. Voilà. Il rêve à la faute finale. Donc, mais laissez tomber tout ce problème là-bas. Mon problème, le problème de ma deuxième femme. Maintenant, c'est pas une autre Myriadi.
C'est aujourd'hui. Agneau qu'elle a bilé. Même le matin, là, je l'ai demandé à la maison. Quand je l'ai dit, si le frère Kébansé, c'est 200 francs sur le monde. Il y a un peu de temps qu'elle n'a pas d'argent. Makono, je te le passe. Bimoumé, on va faire sortir. Ah là, il n'y a pas de frère. Eh, où tu sais? Kengi, là, tu es là. Quoi, il y a Fouré, demain, quand il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Mbira ngere kan mbira ntulo kuso kuma do lañi ha ala wara dur ki mabolo di dur ki jamba o ha kilba me donner ça era ba nyara gwensi na ka yindo ni makono ake do ndi kana fra ke ino ezelu bu ah ibai ije aben na masutema benjo kono ha imin kala ha wa wurusa ke kono ina na wa fladi di Allez, ceci là. Amina. Allez, Brahim. Amina. Nickel, n'est-ce pas? Oui, non, milliards de dinars. Oh, qu'on a un waffle. Arina, Arina. Arina. Quand il était. Il y a un waffle. Il y a un waffle. Il y a un waffle. Marama! Marama, sorry. Ah, venez si vous allez manger. Pas de bien. Donne un peu à celle-là. C'est toi qui as tout commencé. Les autres ont mangé ici, il n'y avait pas de bruit. Lorsque tu es venu, il y aura des pluies. Hey, lave-toi. Dépêche-toi. Dépêche-toi, toi aussi. Lave ta main là-bas. Allez-y à la maison. Allez-y à la maison. Allez, partez. Allez-y à la maison. Hein? Mais mec, il faut aller à la maison. Hey, venez ici. Venez ici. Mohamed, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Ça va? Ça va bien? Ça va. Mohamed, tu es courageux, hein? Ah oui. Chaque fois, tu es là. Oui. Ça va bon? Ça va. Petit? Oui. Je suis venu. Ah bon? Pourquoi quoi? Comme d'habitude, petit. Toi aussi. Je suis venu pour un morceau de pain là. Un petit pain là. Tu sais, mes enfants n'ont pas déjeuné le matin. Je suis quitté comme ça à la maison. Même si on a déjà comme ça jusqu'à présent, ton enfant n'a pas appétit. Déjeuné. Hey. Ah, petit. Manangalo Kokomoti Bundu Befola. Je n'ai rien comme ça pour le moment, au nom de Dieu. Je n'ai rien, petit. Pardon, aidez-moi à avoir un morceau du pain. C'est-à-dire le moitié, quoi. Ok, il n'y a pas de problème. Il faut envoyer. Ah, tu sais, aller là, le prix de. Je connais tout ça là, Mohamed. Et là. Mais d'habitude, quand je prends, je viens directement. Même avant-hier, j'étais. Le prix de fin, c'est sûr, monsieur, aller là. Hein? Le prix de fin, aller là, c'est sûr. Non, vraiment, je sais ça, vraiment. Hein? Mais aidez-moi à avoir le morceau du pain pour mes enfants là. Même pour 1000 francs là, c'est bon. Hein? Ok. Mais il faut envoyer seulement. Hein? Attends. Ah, mais ça c'est bon.
C'est bon comme ça, net. Ah, donc, Inch'Allah, okay. Comme mon ami m'a promis de l'argent, okay. Le soir, je viendrai quand je viendrai te remettre ça. Ok, merci. Nye? Ok, voilà. Merci, petit. Ok. Eh, hey, Mohamed. Vraiment, nala, il faut que je sois un bibine de Djoko, Gere Dinahina, animo d'Indankou. Ah, si c'est pas toi, moi je vais pas nourrir ici. Ah, c'est vrai. Ok. Merci, petit. Ok. Mais le monsieur là, chaque jour je viens ici, vous me crédez. Ah, le monsieur là. Oh. Ça me fatigue ici. Moi je ne comprends ici. Oh, moi je ne comprends rien comme ça, le problème du monsieur. Ça que je viens ici, il faut me crédit. Il faut revendre ton enfant. Hein. Bien. Hey. Hey, madame, ça va? Ça va bien. Hey. Je vous ai amené du pain là. Ah, attends. Tu vois? Tiens, là. Tu vois? Les gens comme ça. Qui? Hey. Hey. Hey, faut pas le frapper. Faut pas le frapper. Regarde ce que tu lui fais. Est-ce que ça c'est bon ça? Mais donne-moi. C'est mon maître qui commence tout. Non, c'est pas mon maître. C'est pas bon. C'est lui. Tiens ça. Tu vois, quand je te parlais, tu vois? Ah, laisse tomber ça. Oh, ah, ça comment laisse tomber? Combien d'enfants? Moi, je n'ai même pas gagné. Eh, laissez-moi tomber le problème là. Moi, je vais en tout cas me bouger. Hein. Je vais la chercher. C'est ça, bon. Ça, c'est obligatoire. C'est bon. Pas de mauvais ici. Ah, toi, tu ne veux pas. Ah, comme ça. Allez-y à la maison. Non, mangez. Allez-y à la maison. Partez. Tire, ça va? Ça va très bien. Tu vas bien? Ça va, merci. Et notre mari? Il vient de sortir. Il est sorti? Il est sorti. Ah, mais tu connais ma situation à l'air là, non? Je connais tout. Même l'autre fois, moi, je l'ai parlé la nuit. Qu'est-ce qui te pousse d'épouser une autre femme? Il me dit, c'est pas ton problème, c'est pas toi qui vas enlever l'argent des boubards comme ta patati patata. En tout cas, ça c'est je ne comprends même pas. On a combien d'enfants? C'est trop. Mais Siri, il ne faut plus faire d'enfants maintenant. Plus faire d'enfants? Il faut dire, faut même pas passer la nuit avec ton mari. Moi, je ne veux plus faire d'enfants ici maintenant. Moi, je ne comprends pas ton mari, alors là. Il n'a pas d'argent et il veut épouser une autre femme encore. Ça, c'est difficile. Très difficile, je te dis. Tellement qu'il n'a pas d'argent, il a deux complats, alors là. Le noir et le jaune. Surtout le jaune, là. Hey. Il descend avec ça, il monte avec ça. Ah, voilà, tout... voilà. C'est ce que je voulais entendre. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais, c'est que tu as dit, tu as oublié. Oh, moi je n'ai rien dit. Non, mais attends. Non, c'est pas toi, c'est pas toi. Le problème de marché hebdomadaire. Moi, ça me regarde pas. Même si vous parlez le problème de l'une, de quoi, ça me regarde pas. Mais pourquoi? Attends. Tu sais ce qu'il y a, Aminata? Mm-hmm. Hein? Mm-hmm. Moi, le problème de votre maison, ma bouche n'est pas dedans. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, qu'est-ce que tu as non, tu peux m'écouter. Ton mari, c'est mon ami. Mon ami, c'est ton mari. Est-ce que tu comprends, hein? Donc, sa femme, c'est ma femme. Mais le problème de sa maison, ça ne me regarde pas. Qu'est-ce que tu as dit? Attends. Je n'ai attends, rien dit du mal ici. Attends, non. Qu'est-ce que tu veux? Non, c'est pas toi. C'est Siri qui veut me... Si vous voulez, je vais me marier avec la femme, la fille là, Mbalu. Elle va rentrer ici. Si tu veux pas, elle va rentrer ici. Ah ah, votre Kafiri Kadjam Kouma là, ça me regarde pas. Non, je ne suis pas Kafiri Kadjam. C'est toi qui es Kafiri Kadjam. Tu es Nafi. Ami, non, attends. Tu es Nafi. Ce que tu vas faire, il faut aller chez toi. Si tu n'es pas Nafi, tu ne peux pas rentrer ta bouche dans mes problèmes. C'est toi qui es Nafi. Moi, je ne suis pas Nafi. Tu vas chercher la femme. Qu'est-ce que tu veux dire? Attendez, elle va. Moi, je vais lui saluer ma copine. Ça me regarde pas. Pourquoi il y a une idée de la bonne croix?
Ça te regarde? Tu as bien fait. Aminata, cessez. Ne dis pas, tu as bien fait. Et qui est-ce que tu es? Ton mari. Mori, c'est ton mari. C'est Ika qui est. Il t'a enquillé sur le moussoko maintenant. Il t'a enquillé sur le bas. Je vais la marier. Il t'a enquillé sur le bas. Elle n'irait bon à ta mariage. Tu penses que tu vas quitter cette femme là? Moi je vais laver tes habits là. Si je lave que mes deux mains là se paralysent. Si le nadre qui est là, tata là, mais il fait ok ba. Eh, si le canard, c'est pas ça, c'est pas le problème de bagarre actuellement. On tata là. On contacte là. Il boit rien là bas. Monsieur Bagarre, c'est dans la et qui sont cette fois-ci, elle va rentrer. Ah, m'a le bras, l'air d'idée. Merci. Mon ami n'a pas passé ici. Corénique, Amine. Oui. Je suis très content de te voir comme ça. Ah bon? Yann Kruzi. Yeah. Chef, ça va? C'est mon grand frère. Va, donne-lui une tasse. Ça va bien? Ça va, ça va. Envoie une tasse pour lui. Ah, Koro. Cameroun Kung. Ouais. Amine. Ouais, Koro. Ah, ça fait longtemps que je ne te vois pas. Tu passes pas chez moi. Ah, Koro, vraiment. À vrai dire, depuis mon grand frère a voyagé, vous tous, on dirait que vous ne me connaissez pas avant. Ça va? C'est très bien. Je voulais te parler, sérieusement, je voulais te voir même. Tu sais que tu es très poli dans ce village. Merci. Il faut jamais changer ça. Koro, moi je vais pas changer, je vais pas changer. Tout le monde t'apprécie. Ah vraiment. Le village quand même m'apprécie de moi, je suis poli. Si tu vois beaucoup de jeunes deviennent fous aujourd'hui, c'est parce qu'ils jouent les femmes de les femmes mariées. Koro, astafurlai. Moi je ne fais pas ça. Jenny, je te conseille parce que tu es un frère, si je te conseille, tu entends et tu acceptes. Ah oui. Pardon. D'accord. Faut jamais suivre une femme mariée. Koro, Dieu même a interdit ça. Et là, je toi-même tu dis. Koro, même si c'est ma copine, si elle est mariée, c'est fini entre. C'est fini. Tu viens devenir demain une sage, un vieux. Il faut laisser les femmes mariées. Koro, je dis même moi, si la femme est mariée, je n'ose plus d'elle maintenant. Parce que c'est des problèmes. Voilà. Yandi. Moi, je vois les jeunes qui sont devenus fous, vous. Voilà, tel que le cas de mon ami là, Sana, l'ancien camarade. Il est fou. Lui, qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu sais, c'est ce que je lui disais. Il m'a dit, mon ami, laisse la femme, les femmes mariées, laisse les femmes mariées. Il ne m'a pas entendu. Finalement, le mari de la femme, il est parti chez lui, dans son village. À son retour maintenant, mon ami, il a gagné des bagages. Souma Bragiala. Vraiment. Moi-même, je ne savais pas. Il a eu un gros hernie. Akaoloyini. Tu sais que moi, je te dis, faut jamais suivre une femme mariée. Koro, moi, je ne vais pas suivre les femmes mariées. Hey, astaghfirullah. Yandindo, je t'aime trop. Bien. D'accord. Voilà. On y conseille qu'il n'y a pas de dilemme. Allez, le café, nous sommes. Tu m'aimes? Je paye. Tu sais, tu m'aimes? Koro, je ne vais pas oublier ça. Maintenant, il faut passer chez moi. Yeah? D'accord. Kaviko, nous sommes madame, là. Moi je ne veux pas déjeuner. Je suis de passage comme ça. Ah bon? Comme ça. Hey, Gérard! Oui. Viens. Tu veux quoi? Eh, hey, il y a biscuit? Si, il y a là. Ok, envoie un biscuit pour mon grand frère. Ça c'est combien? 500 francs. Ah, ok. Prends ça. Merci. Ok. Je suis très content. Ouais, merci beaucoup. D'accord. Ah, et consciemment que là, il y a mis une biscuit médicale. Vraiment. Pardon. Mange. Jamais subir une femme mariée. D'accord. Il faut laisser tous les femmes mariées. D'accord. Moi, je ne vais pas faire ça. Voilà. Yeah. C'est qui dit à condamner, moi aussi. Ah, Guillaume. Du prix.
Ah, voilà. Tu es poli. Ah, vraiment. Il faut continuer sur Chadian. D'accord. Merci beaucoup. Ok. Bien. Yeah. Ouais. Et après, là, je vais passer. Ah ouais, il faut passer. D'accord. Bien. Yeah. Ok. Colophonie. Vraiment. Ah, il était très très d'accord avec mon frère. Mbah, regarde ta tête. Faut que je traite ta tête là. Il y a trop de poules là-dedans. Voilà. Alors, regarde ici là. Bientôt ton mariage. Toi, tu es. Non, Mbah. Toi, je te comprends pas. C'est ma copine là qui m'a donné ça. Laquelle? Oui, Fatouma. Maintenant, si je traite ça maintenant, je ne veux pas la voir ici. Tu as compris? Oui. Ah. Ça, c'est gros. Wallah, maman, c'est gros. Hein? Yeah. Ah. Hey. Et puis, il y a tellement de ça. Non. Ça va? Ça va. Bonjour, papa. Bonjour. Bah, ça va? Ça va. Ça va. Moi, je voulais te voir avec ta fille. Comme elle est à côté de nous. Non, vraiment, c'est pas autre chose. Tu sais, Mbalou, c'est Kasia qui l'est su en mariage. Il a fait sortir le premier cola et le deuxième cola. Il a fait sortir les deux colas à la fois. Les deux colas là, ça y est avec les charges. Oui. Maintenant là, il se prépare pour amener la troisième cola. Voilà ta fille, voilà toi. Il faut le conseiller. D'accord. Il faut le conseiller. Il y a beaucoup de filles dans ce village-là. Oui. Si tu vois que Kasia a vu tout ça, il n'a pas allé faire sortir le cola derrière et ici. Sauf ma fille-là. Oui. Moi, je crois que ça, c'est beaucoup pour nous. Wallahi. Hein? Wallahi. Donc, il doit changer son comportement. Je le connais. Mais il doit savoir maintenant marcher dans le village. Cela est très important. Tout le monde est au courant maintenant que c'est Kasia qui le veut en mariage. Elle est fiancée maintenant. Parce que le premier voilà, le grand frère a amené ça dans le mosquée. Ah, donc tout le monde est au courant. Oui. Hein? Oui. Il n'a qu'à se comporter bien. D'accord. C'est la fille qui va gâter le nom de la famille. Oui, ça c'est naturel. Ça c'est naturel. Hein? C'est pas le gageon, mais c'est la fille. Oui. Donc, il n'a qu'à se comporter bien. D'accord. Tu m'entends? D'accord. C'est ça que je voulais te dire. Je vais la parler ça tout de suite. C'est ça. Je vais la conseiller tout de suite. Je vais la parler ça. Bab. Oui, maman. J'ai entendu ce que ton père a dit. Oui, j'ai entendu. Oui. Viens de ma fille. Faut pas nous faire honneur. Tu sais, nous, chez nous, ici, dès qu'on fait sortir les troisième colas, c'est le mariage maintenant. Je ne crois même pas si tu peux rester maintenant. Tu vas faire maintenant une semaine ici. Une semaine? Je ne crois pas ça. Pas. Parce que dès qu'on envoie les troisième colas, tout de suite, tu vas partir chez ton mari. Tu as compris? Oui, j'ai compris. D'accord. Vous pouvez compter sur moi, maman. Non, je te connais pour ça, ma fille. Vraiment. D'accord. Voilà. C'est toi qui va être notre ambassadeur là-bas. Tu as entendu? Ça, c'est vrai. C'est ça, dit. Je compte beaucoup sur toi, ma chérie. Voilà. Moi, je vais vous laisser ici maintenant. Je vais aller voir. C'est l'outil, quoi. Nous avons une réunion là-bas aujourd'hui. Ah, faut pas durer là-bas. Non, je ne veux pas durer. Parce que tu sais que quand tu sors ici, je viens chez l'outil. Tu vas ailleurs. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs? Non, je te dis qu'il ne faut pas durer. Vous saisissez la parole parce que ma vie est là. Elle a grandi. Bientôt, elle aussi, elle va partir. Elle va partir, c'est Jean-Marie. Merci. Ok. Je viens. Il ne faut pas durer. Hein? Non, va. Ma chérie, tu vas me laisser ici. Bientôt. Voilà, maman. La femme, c'est comme ça. Hein? Maman, mais tu vas partir là-bas de temps en temps, bien. Oui. Mais c'est pas tous les jours quoi. Eh maman, moi je vais venir tous les jours. Non, c'est pas comme ça. Si tu es chez ton mari maintenant, c'est pas comme ça, c'est pas de la pagaille tous les jours tu es là. C'est pas ça maintenant. Ça c'est dur. C'est dur, mais c'est naturel. La femme c'est comme ça. Tu vois? Je ne vais plus lui prêter mon vélo là-même. Il a tout gâté. Ça change comme ça. Et si moi je bougeais pour aller à Bétraël, hein? Ça allait me déposer au cours de la route là-bas.
Ma future mariée. C'est comment? Ça va? Ça va, oui. Tu vas bien? Ça va très bien. Ouais. La mine. Dis donc. Tu te fais rare maintenant, hein? Ah. Tu sais, moi, je ne suis plus tranquille dans le village là maintenant. Hein. C'est ce que je vois comme ça. Ça va? Oui, ça va. Hein? C'est quand même. Ah, ils n'ont pas fixé la date d'abord. Ça reste beaucoup. Ça reste pas beaucoup. Peut-être dans la semaine prochaine, je dois partir chez moi. Mais qu'est-ce que tu as mangé comme ça? Du coco. J'ai pris ça avec ma maman le matin. Ah. Et Fanta. Fanta, ça fait longtemps que je ne la vois pas. Hein. Et si tu abandonnes ma copine, tu vas la voir. Tu sais, elle et moi, on est trop d'accord. Mais en tout cas, tu sais, dans ces jours-ci, j'ai un travail à Bintouaya. Je vais là-bas comme ça. Chaque jour, il me faut me présenter là-bas le matin. J'ai fait un peu après, je continue mon chemin. La ville. Ouais. Moi, je vais faire des parties. Tu sais, quoi? Je n'aime pas ça. Quoi? Tu sais, je n'aime pas. Ah, mais toi, tu es futur marié maintenant. toi et moi, on ne peut pas parler beaucoup. Ok, on va voir la ville. Ok. Et toi, les pâtes pour moi. Ouais, merci beaucoup. Il y a quoi entre toi et ma femme? Celle qui va comme ça. Il y a quoi entre vous? Quelle femme? Ma femme, tu la connais pas, Mbal? Ah. Tu la connais pas? Je connais très bien Mbal. Voilà, il y a quoi entre vous? Mais... Dis-moi rapidement, il y a quoi entre vous? Tu parles pas? Mais Mbal, c'est la copine à ma copine. Lamine. C'est la copine à ta copine? Oui. Ah, ah, si je comprends bien. Donc, avec vous, il a son goudou, il est de la bouda qui le fait, il est dans le braca. Ah, non, c'est ça. Mais... Et puis, tu me dis, je casse ta gueule. Est-ce que tu comprends la mine? Hein? Ah, alors, tu veux te foutre de moi ou quoi? Tu te fous de moi ou quoi? Hein? Non, attends. Écoute, toi aussi, tu es grandi avec mon grand frère. Toi, tu ne dois pas être. Moi, je m'en fous de ça. Si tu connais ça, il manque un cabinet, mon soco. Toi-même, tu connais ça? Ah, je t'ai dit, c'est pas ma copine, Koro. Ah, toi aussi. Dis donc, attends. Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Je t'ai dit, c'est pas ma copine. Je t'ai dit, non, il faut obligatoire, tu me dis la vérité. Il y a quoi entre toi et ma femme? Ah, je t'ai dit, c'est pas ma copine. Hey! J'ai bien fait. Ouais. C'est ça. Si maintenant tu blagues avec ma femme, c'est comme ça, j'ai fait. Koro. Non, j'ai bien fait. Tu as tout parti. Lamine, j'ai dit tu as tout gâté. Lamine, tu ne devrais pas faire ça. Lamine, attends. Pourquoi tu m'as giflé? Hein? Pourquoi tu m'as giflé? Non, pardon. J'ai dit pourquoi tu m'as giflé? Lamine, j'ai bien fait. Ah, tu as bien Lamine, fait. Oui. D'accord. J'ai bien fait. Elle là. Lamine. J'ai bien fait. Je t'ai dit, j'ai bien fait. Lamine. Toi, tu n'as même pas honte. Lamine. Toi, tu es grandi avec mon grand frère et puis tu t'arrêtes devant moi comme ça. Lamine. D'accord. Comme je connais maintenant, c'est la foutaise, je ne vais plus te tolérer maintenant. Lamine, j'ai bien fait. Lamine, je t'ai dit, j'ai bien fait. Lamine, j'ai bien fait. Regarde-moi ça, il n'a même pas honte. Dégage, s'il te plaît. Dégage! Dégage! D'accord, attends. J'ai dit, dégage! 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 Attends, je vais prendre. Dégage, prends. Allez, vite. Dégage! Salaud qui tu es. Lamine, à moi. J'ai bien fait. À moi. Toi. Viens pas vous, viens. Hein? Voilà. T'as dit que tu m'as provoqué. C'est pas moi qui l'ai provoqué. Qui t'a provoqué? Arrête-toi. Si tu es homme, arrête-toi. Arrête-toi. C'est fini. Tu as tout fait. C'est fini. Mais là, mais moi, c'est avec ton grand frère que j'ai affaire. Voilà. Tu as tout fait. C'est fini. Inch'Allah. Tu ne me connais pas, hein?
crois moi, je suis quoi? Hein? Voilà. Eh, Inch'Allah, tu me... Non, il n'y a pas midi à 14h. C'est fini. Et t'as tout le monde qui m'a quoi? C'est fini. Inch'Allah. Quand je vais chercher à te faire du mal. Ni... Ah, donc... Idoula. Ni idoula, le tignana, idoula. Je vais gâter ton bas. Net. Ça, je vais... Oui. Voilà, rien. Non, il n'y a rien maintenant. J'ai affaire à faire avec le petit, le salopard là, le fessier, le couillon là. Qui c'est, le petit, soi-disant la mine bah, ou quoi là, la mine. La mine. Qu'est-ce qui est rentré entre vous? Voilà. Il croit que moi je suis un petit. Moi je suis. Non, maintenant, et, je ne suis pas un enfant. Hein, et je suis vieux, mais je ne suis pas. Ma Djodjo Folo, on coulora, hein? A ma Djodjo Folo. Le petit, quand je suis allé, je l'ai vu avec ma femme. Devant moi, j'étais arrêté, je l'ai regardé. Alors, on voulait encore. Qu'est-ce qu'il est. Non, 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 c'est aujourd'hui. Il est couché là-bas. Où ça? Ah là! Là, il a haïla la Mohamed. Non, non, non. Je l'ai frappé, il est là-bas. Ah, tu as frappé la mine. Je l'ai frappé. Ce que moi je viens de voir là, tu n'as pas frappé la mine. Comment je ne l'ai pas frappé? Au contraire, c'est la mine qui t'a frappé. Oh! Là, il a haïla la Mohamed. Yala, maman. Il n'est même pas loin d'ici. Lamine, Lamine, viens ici. Attends. Où tu vas? Arrête-toi. Ah. Tout ce que tu as dit ici, moi j'ai tout entendu. Viens. Viens. Si les hommes, il n'a qu'à venir ici. Tu crois? Moi j'ai pas peur de lui. Ah, tu n'as pas peur de sortir. Hein. J'ai pas peur de lui. Lamine. Lamine, là. Et il y a qui tu l'as il y a les mains. C'est pas moi. On t'a frappé à cause de ta femme là. J'ai bien fait. Oh oh. J'ai bien fait. Et tu as on a frappé, c'est à toi on a frappé. Ah. C'est pas moi. Ah. Ah. On t'a ça frappé. Non, non, dis-moi la vérité. C'est moi qui l'ai frappé. Il faut le chercher partout. Ah, il est, je te dis, il est couché là-bas. Il est couché là-bas. Eh, ouais, il y a un. C'est ça. Et Kourouma. Siri. Non. Bien. Tu sais ce que tu dois faire? Non, non. Eh, il faut me chercher des feuilles de. Papa est là, et puis Anna Moussafida, et puis le fait de avocat. Il y a un frère qui a dit qu'il y a un petit peu trop de là. Ah, mon nom. Non, il y a quand vous vous souvenez. Je ne le fais pas. Et vous allez chez ta femme là le faire. Doucement, on t'a frappé comme ça, il faut aller te reposer. Et toi, là, il faut aller là. Ah, là, va chez ta femme, moi je le fais pas. T'as mis en fila, t'as dit Nadi. Sire, sire. La paix, je veux la paix. D'accord. Si toi tu fais pas, moi je vais chercher. Ni quoi belle dans les cantines, ni c'est ça. Oui, non, non. Maman, maman, ils ont frappé ton beau aujourd'hui. Quel beau, mon beau Cassia. Oui. Pourquoi? Tu sais qu'il est jaloux. Mbalou. Maman, je partais chez Fatima aujourd'hui. J'ai trouvé la mine assise. Je suis venue, j'ai salué la mine. J'ai dit la mine, ça va, il me dit oui, ça va, la future mariée. Moi, j'ai passé.
Jaga, il me suit. Il a laissé jusqu'à ce que je passe, il est venu attaquer la mine. Hey, pourquoi tu suis ma femme? Pourquoi tu suis ma femme? Mon beau Kassia, est-ce qu'il n'est pas dérangé? Maman, il est dérangé. Hey, maman, si j'ai entendu ça, je me suis caché quelque part. Il t'a pas vu? Il m'a pas vu. Et la mine l'a frappé. Il l'a frappé. Mbalo. Jusqu'à ce qu'il a pris, il a pris la fuite. Mbalo, ça te fait rire comme ça, Ignée. Hey, non. Toi, tu ne vaux rien. Maman, il fallait être là-bas. Voilà, si tu vois, toi, pour courir aujourd'hui avec son gros ventre. Oh, Mbalo, toi. Tu ne vaux rien. Il va trouver sa femme là-bas aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire là-bas. Il va mentir. Il a eu peur. Il va dire là-bas, les bandits l'ont attaqué. Mais là, il va dire quoi là-bas? Oh. Comment ça, ça fait rire? Mon cas, c'est très jaloux. Hé, hey, maman, je ne suis même pas rentrée chez lui d'abord. Ah. Il me suit. Je n'aime pas ça du tout. Et puis, c'est ton fiancé, go, bientôt tu vas rentrer chez lui. Il faut faire beaucoup attention. Hey, est-ce que je vais te demander. Il n'y a rien entre toi et la mine? Maman, je jure, il n'y a rien entre la mine et moi. Hey. Ah, maman, toi aussi. La mine sort avec ma copine Fanta. En tout cas, il ne faut pas suivre la mine. Hey. Moi, je ne veux pas suivre la mine. Hey. Je souhaite qu'on lui frappe tous les jours comme ça. Donc, pourquoi? Ton mari de me suivre. Hey, je suis sa femme. C'est ton mari. Ah, maman, il n'est pas bientôt le mariage. Attends, bientôt le mariage. Oui, c'est ton mari qui l'a doit te suivre partout. Hein? Il a fait sortir les coups là. Hein? Tu es devenue sa femme maintenant. Il doit te suivre. Mais attends. Non, je suis contente aujourd'hui. Voilà ton papa. Avec son enfant. Oui. Oui. Ça va? Ça va. Ça va bien? Il va bien. Ça va là-bas? Ça va. Fatih! Fatih, ça va? Et ton papa? Il va bien. Voilà, elle parle. Si nous sommes à la maison, elle parle tellement. Je connais ça. Ça va là-bas? Ça va un peu. Et ton mari fini? Il est là-bas. Mais aujourd'hui... Hey. Siri, mais aujourd'hui tu es contente de toi, Siri, pourquoi? Je suis contente aujourd'hui. Ah bon? Hey. Ton mari est cousin à la maison. Il est frappé. Qui l'a frappé comme ça? C'est la mine. Et? Il a été frappé avec la mine. Mais moi j'étais à la maison, je l'attendais. Si tu es homme, viens me toucher. Si tu es homme, viens me trouver ici. Je l'ai touché seulement. Il a crié. Hey. C'est la mine qui a frappé ton mari. Tellement qu'il est frappé. Il est même pas frappé, il est lavé par la mine. Depuis que la mine est née, il n'a pas fait du bien comme aujourd'hui. Hey, il est coussé à la maison. Ça, je suis quoi? Disais ce qu'il m'a dit. Non. De lui préparer un médicament qu'il va se laver avec ça. Je lui ai dit, moi. C'est toi qui l'as frappé. Attends. J'ai dit, hey, c'est à propos de moi qu'on t'a frappé. Il faut aller chez ta femme. J'ai mal. Mal. Mais aujourd'hui, vraiment, il est frappé. Il est très bien frappé. Je suis contente comme ça. L'autre fois, il voulait me frapper là-bas. Dieu a remboursé pour moi. Hey. Dieu n'en dort pas. C'est ça que je t'ai dit l'autre fois. C'est Dieu qui va juger entre toi et ton mari. Vraiment? C'est Dieu qui va juger entre toi et ton mari. Parce que tout le monde sait ce que tu fais pour ton mari ici. Il n'y a pas ce que je n'ai pas fait pour Kassia. Mais lui, il veut chercher une autre femme. Il n'a qu'à chercher une autre femme. Moi, je suis dans ma maison. Fatim, on a frappé ton père. Hein? Et quand tu dis ça devant ton père, il va te frapper. Comme ça. Allez, moi, je vais m'en aller. Déjà? Merci, merci. Ah ouais. Merci beaucoup. De rien. Fatim, au revoir. Hein? Allez, merci. Merci. Ça, c'est très bien. Ça. Merci. Ah, tu vois, il voulait me frapper là-bas. Hey, tu as remboursé pour moi. Hey.
C'est toi ça? Mais tu m'as pas vu? Lamine, toi tu veux frapper mon ami Cassia à cause de sa femme? Hey, attends, salue-moi d'abord, après je vais te répondre. Salue-moi d'abord, sinon je te réponds pas. Moi je te salue. Ah, si tu me salues pas, dis-moi, moi je vais continuer. Hé, hey, faut jamais... Hey. Il part... Attends, Faudé. Tu crois que... Faudé. Une femme mariée, comment que tu peux frapper son mari? Pourquoi tu peux frapper Cassia? Mais tu es content aujourd'hui de... Lamine, wallahi. Tu crois que moi je suis comme ça? Hey, konoko, allez, kibaroko, kulu neneli. Moi je n'aime pas ça. Hein. Si tu fais ça maintenant, hey. Tu vas me voir. Il est dans le carton. Passa une indigne opacité. Je te dis une chose. Je te dis, écoute-moi très bien. Ouvre très bien tes oreilles. Ce que moi j'ai fait à Cassia là, ça c'est trop petit. Si toi aussi tu n'as pas confiance, hein? Ah. Si toi aussi tu n'as pas confiance, si je bouge, ah. Arrête-toi devant moi. Qu'est-ce que tu vas me faire? Je te dis, si toi aussi tu n'as pas confiance, si je bouge seulement, tu t'arrêtes devant moi. Qu'est-ce que tu vas me faire? Écoute, mais qu'est-ce que toi tu veux maintenant je bah. Ah, ok, bon, arrête-toi devant moi. Tu ne vas pas. Faudé, laisse-moi passer, s'il te plaît. Laisse-moi passer. Je te dis de me laisser passer. Tu ne me connais pas, s'il te plaît. Je dis tu ne passes pas. D'accord. Tu ne passes pas. Ah, je te dis, moi je vais passer. Pourquoi tu as frappé? Au nom de Dieu, moi je vais passer. À cause de sa femme. J'ai bien fait. Je te dis, maintenant j'ai bien fait. Et puis toi, tu n'aimes pas le respect. Ça fait combien de fois moi je te respecte ici? Hein? Toi aussi, tu es grandi avec mon grand frère. Et puis tu me traites comme. Et regarde. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Ah. Lève le bras! Faudé. Laisse-moi te. C'est à cause de mon grand frère qu'il se laisse comme ça. Regarde-moi ça. Imi. Il va courir la bonne nuit du frère. Bassa. Où est parti? Eh, Dieu t'a aidé. Si je te vois, je te tue. On va voir. Alabriso, tu crois que tu m'as écambéli? Il m'a embêlé. Nassambra, mon chaussure là aussi. C'est grâce à mon chaussure. Tu m'as eu. Malo, qu'est-ce que tu fais là-bas? Les vols là, maman. Tu as vu, fais doucement. Non, les monstres, tout ça là, c'est gâté. On va s'enlever ça. En tout cas, ça a même duré. Il faut chercher. Papa. Cassia est beauté, on dirait un cochon. Hey. À cause de Mbalo. Ah. À la course, il a farfarné. C'est pas elle. Rien de cagouasse. Hier, je viens de le masser comme ça avant de venir. Rien de cagouasse. Lamine. On a pas besoin de Mbalo. À cause de Mbalo. Comment ça, à cause de moi? Moi aussi, là, si. Ah, maman. En tout cas. Mbramousso. Il faut conseiller Mbalo. Cassia, Ayakanka, allez là-bas, Kunkolo Guyaro, pour faire entrer Kunadiarao. Elle fait des bêtises comme ça. Il faut la conseiller, pardon. D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais la conseiller. Je vais la parler. Iba Cassia, Faida, à table, tiens. Et Allah. À Baraka, à Fankilimbe, à Bebra Fingama. Elle n'a
n'avait qu'à se séparer avec Lamine. Mba. Mais attendez d'abord. Comment est-ce que moi j'ai un copain dans le village? Ah, je crois pas. Ah. Ah. Et puis, moi je ne sais même pas qu'on a frappé chose. Cassia. Mon ami n'est même pas frappé. À Kone, il est lavé. Pourtant, moi, c'est ma première nouvelle, ça. Je ne savais même pas qu'on l'a frappé. Ah, voilà. Moi, je ne suis pas lavé. Je ne crois pas que c'est Lamine. Jandi, à lui, Mbalo Lali. Pour la conseiller, pardon. Hein? D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais la parler quand même. Voilà. Mais je ne crois pas. Ok, Krobana. Parce que moi, je vais au sang comme ça. D'accord. J'étais venu pour ça. Ah, voilà. Il n'est pas malade quand même. Et là où il est comme ça, il est lavé. C'est pitoyable. Il est lavé, Vévé. Je vais partir de rendre visite. Ok, emballez le. Ah, merci. Ok. Merci beaucoup. Ah, Mbalo. Hey. Tu as vu, Venda? C'est pas ce que je t'ai dit hier. Non, moi, je te. Tout le village est au courant, Venda. Mais, Mbalo. Mbalo. Moi, je te comprends pas. Comment ça? Tu es contente comme ça parce qu'on a frappé ton mari. Le mari de Siri. Pas mon mari de. Je ne suis pas rentrée d'abord, maman. Laisse-moi te demander. Bah. Mais il n'y a rien entre toi et Lamine. Ah, maman, toi aussi. Je jure, il n'y a rien entre Lamine et moi. Rien. Lamine est le copain de ma copine, Fanta. Tu as vu son copain, son ami est venu me parler. Ah, maman, je t'ai dit ça hier. Il est malade comme ça, là. Et Allah. On l'a tellement frappé hier, maman. J'étais là, arrêtée. Non, Mbalo, ça. Donc, ça te fait rire comme ça? Comment ça fait rire? Hein? D'accord. Quand ton père vient seulement, je vais lui dire ça. Tu as compris? Ça, le préparer. Maman, il faut faire rentrer ça là-bas. Allah. C'est pas demain. Ah, c'est demain. Eh, mais si ton mari n'a pas honte. C'est le problème de la femme là qui l'a emporté. Daïla. Si ton mari n'a pas honte. Tu sais ce qu'il m'a dit, hein? Non, non. De prendre l'argent, comme ça après le mariage qu'il va me rembourser. Je lui ai dit, moi je vais faire ça. Donc c'est toi qui vas faire le mariage? Moi je l'ai répondu, hein. Moi je l'ai dit. Si tu veux que tu fasses ton mariage, si tu ne veux pas, il faut laisser. Et puis, ce n'est pas mon problème, ça m'est complètement égal. Ton mari n'a même pas d'esprit. Il n'a rien, il veut épouser une autre femme. Jusqu'à présent, ces deux complets-là, hein? Le noir et le jaune, là, hein? Jusqu'à présent, c'est rien à la maison. Il n'a pas acheté un autre complet. Aïda. Et il veut épouser une autre femme. Moi je ne suis pas perdante. Moi, j'ai mes enfants. Et puis, j'ai un mari. Lui aussi, il a sa femme. En tout cas, tu n'es pas perdante. Je ne suis pas perdante. Hey. Je ne l'ai même pas regardé. C'est pas un problème parce que le problème de femme là. Eh, hey, Siri, ton mari n'a pas d'esprit. Je jure, ton mari n'a pas d'esprit. Hey, il est mentalement dérangé. Parce qu'à l'heure là, là où nous sommes, celui qui va prendre deux femmes à l'heure là, dans ce village. Il n'a rien. Jusqu'à présent, c'est deux complets là. Jaune et noir là. Peut-être elle n'est pas libre.